Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 15 de Dark Castor Multi. Donc on est toujours avec les mêmes qui étaient à la partie 1. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, allez voir, le lien est dans les commentaires de... Enfin non, pas dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, comment ça se passe chez vous? Bah, l'Espagne, elle aura quand même bien tenu, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah non, même pas. Si elle a tenu longtemps, excuse-moi, normalement toi t'es censé l'annihiler beaucoup plus vite que ça. Ouais, parce qu'en fait, j'avais oublié de rajouter le ravitaillement, je te rappelle. Oui, C'est mais juste pour même, ça, sinon. c'est pas une excuse. Non. Je t'en fais prendre une petite. Leur pas. Ah, merci. Ah, les États-Unis ne sont plus. Attention, attends 2 petites secondes. 11 juillet. Oh putain, non, fallait que ça soit le 4. Ça aurait été tellement beau. Pendant la Merci de dépendance. m'avoir donné un plan, les Anglais, hein. Aujourd'hui, 11 juillet 1937, à 9h du matin, les États-Unis ont été annexés, devenus colonies japonaises. Banzai! Comme dirait l'autre con là. Maintenant, le Japon offre tout le monde des hamburgers sushi. Voilà. Ah non, c'est du beurre de yak, hein, comme moi je vends. Surtout merci pour les plans de l'anglais, hein. Moi je veux du beurre de yak. Attends une minute. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant à ce niveau-là? Doctrine navale. Ouais, je vais faire de la doctrine navale. Et c'est vrai, j'ai récupéré leur... Oh, les scientifiques américains. Ernest King qui va faire mes doctrines navales. Merci mon pote, je t'adore. Je suis ton fan, hein, je te l'ai jamais dit, mais. Ah, j'ai une artillerie qui est faite. Bon, je vais pouvoir redéployer ma flotte ailleurs parce que là, elle commence à manger cher. Manger Anchorage, ça me semble bien. ou plutôt prendre cher. Bah, Anchorage est ravitaillé, donc je vais tout mettre là-bas. Ça ira plus vite. Adieu les Espagnols, ils sont bientôt morts. Je suis content pour toi. Oh. Oh! Le Liberia m'offre une paix blanche, acceptée. Ah. Et c'est là que les États-Unis repopent. Putain! Non! Tu t'imagines le truc? Allez. Oh putain, je veux pas faire. Lui, pas moi! C'est un plus japonais, je veux dire. Bon, bah, il reste plus que quelques territoires, même pas 5 territoires. Eh ben, je peux faire l'incident du pont Marco Polo. What? Ouais. Bah le truc contre le chinois là. Ah d'accord. Les épaules tu les chaudes. Vas-y, ramène tes 4 divisions ici. Comme ça, il veut faire du suicide dans l'espagnol. Du 7 contre 4. Bah c'est équilibré non? Attends, n'oublions pas, j'ai un char léger. Alors, qui c'est qui fait un truc? La lutte, Annie. Ouais, on accepte. Plus la doctrine offensive espagnole. Ça fait mal. Putain, je peux même pas me redéployer sur mes propres ports, c'est quoi ça? Ah, si, là-bas je peux. Qu'est-ce qu'il est con? Ah, mais il fallait que je trouve le pas bon con. port. Quoi? Tu pensais que je n'étais pas con? Oh, merci! T'es le premier à me dire ça! Ah non, je parlais au russe! Non, ah! Enculé, hein! J'ai parlé à personne, finalement. Ah merde, je suis en paix! Oh fuck, ma dissent remonte parce que je l'avais pas mis assez dans les biens de consommation! Quelle connerie! Ça veut dire que je vais encore devoir baisser ma production, non mais c'est sérieux ça! Oh bah, you Romel! Bon. Bah tant pis. Va falloir que je déclare vite la guerre contre la Chine et que ça reste longtemps. Histoire que j'aille mon industrie de guerre comme ça. Ça te plaît bien l'industrie de guerre, l'allemand? Ouais. Non mais t'en fais pas, il va pas la garder encore très longtemps. Bah dès que ça sera fini pour l'espagnol, il en aura plus quoi. Bah voilà, c'est ce que je dis, il n'aura plus très longtemps. Par contre, il lui reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 provinces à l'Espagne. Ouais, ça ira vite. C'est qui ça? Non, j'ai fait une doctrine là. Ah.
Urigui. Je sais pas trop. L'Uruguay, tu veux dire? Ouais. Ah, c'est utile, la doctrine pour le bombardement stratégique. Alors... C'est quand qu'ils arrivent, mes cargos, putain? Ils ont décidé de m'énerver, tous. Ouhou, super. Oh, ça, ça doit être l'Irlande. Et les vieux cargos, quand même, ils sont lents, hein, mais à crever, quoi. Ah, intéressant, l'Irlande, pour une fois. Oh, putain! Cool. Je vais perdre des unités. Oh. Oh, oui! Ça me casse tellement les couilles. Arrête de te réjouir, toi! Un minute de silence bientôt! Oh putain, quel connard! C'est quoi ça? Bah déjà, c'en est un. Moi, toujours! Il faut voir. Quand est-ce que seront là les... mes prochains cargos? Le 9 août. On est. Le 24 juillet. Ouais, bah ça va aller bien. Ça va aller vite. Par contre, j'espère que j'en aurai assez pour pouvoir ravitailler mes troupes, parce que sinon, je suis vraiment dans la merde. Ah, putain, le projet technologique. Intercepteur 2 plus l'agrochimie. Oh, bah putain, ça tombe bien, l'agrochimie. Je suis en train de la rechercher. Quoi, t'as réussi à faire des... Enfin, investir dans les recherches nationales? Ou un truc dans ce genre-là? Non, c'est le marché stimule la recherche. Ouais, ouais, bah c'est... Ah, oh, t'as de la chance. Ah oui, c'est normal, c'est parce que toi t'es laissé faire, ouais. C'est ça? C'est quoi? T'es en laissé faire, toi, au niveau de la... Au niveau industriel. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose, ça. Si, si, ça, c'est... ça te donne des techs de temps en temps. C'est bien, ça, chez nous. C'est pratique, hein. Ah ouais, donc en fait, ça rapporte des bonus en étant laissé faire tout quand on en est pas épatif. Bah, ça te rapporte des bonus de tech, mais pas au niveau industriel. Au niveau industriel, ouais. T'auras pas de bonus, hein. C'est ça le truc dommage, quoi. Bah, faut pas arriver non plus, c'est déjà bien d'avoir quelques bonus. Ouais, c'est bien d'avoir quelques bonus. De toute façon, je pense qu'avec l'anglais, t'as pas trop le choix. Je crois. En fait, l'espagnol, il va dégager de... des portes de Madrid, là, parce qu'il y a, à la frontière de Madrid. Du coup, je fais du 4 contre 1. Je vais pas me péter les couilles, enfin. Allez, quoi, merde, ils sont combien? Production, production, j'arrête pas d'avoir des usines supplémentaires. C'est tellement cool. Bah, si jamais je perds les États-Unis, j'aurai toujours la... Comment dire? La... D'ailleurs, tu gagnes combien usines, en main d'œuvre? En main d'œuvre, j'ai 6446. Ah non, c'est en gagné. Toujours rêvé l'Espagne. J'en gagne croissance de la main d'œuvre 0,0142k. Ouais, pas mal. Mais bon, avec les États-Unis, c'est quand même plus si je m'attendais à plus. Non, les États-Unis, ils donnent pas grand-chose. Hein. C'est parce que le Japon est surpeuplé. Hein. Parce que le Japon. Ah, par contre, je vais avoir un petit problème au niveau énergie. Dis l'allemand, on ferait pas des trucs commerciaux pour pouvoir me filer un peu de. D'énergie, parce que là, je. On va dire que toi t'en as beaucoup et pas moi, quoi. Alors, je vais faire une proposition commerciale dans deux petites secondes. On va voir si c'est intéressant. Ouais, ça sera intéressant, t'inquiète, je vais te passer du pétrole. Oh, j'aurais peut-être pas fait d'argent. Quoi, je peux pas te passer de pétrole? Ouais, c'est quoi cette connerie là? Qu'est-ce qu'il veut l'anglais enfin? What? Je peux rien te passer? C'est quoi cette blague? Non, c'est intéressant ça, l'anglais pour une fois. Ouais, ben on fera notre accord commercial plus tard. Ah ouais, c'est parce que j'ai pas assez de cargo. Fais chier, hein, tout se ramène à ça, putain. Je vais être la nation je sais pas avec trop le plus si de j'accepte cargo. Un pétrole, ça va, pétrole, mais. Ça. Ouais. Attends, tu lui as filé du pétrole, t'es sérieux? Ouais, parce que je lui ai demandé 1,5 de pétrole contre 1 d'argent. 5 d'argent? Tu 1 sais... d'argent. 1 d'argent, ouais.
Je me disais 5 d'argent, putain, t'es occupé à truiter, mec. Ouais, je sais, là. Ouais. Parce que si tu lui avais vraiment donné 5 d'argent, je t'aurais traité de fou, hein, parce que là... Ouais, tu m'étonnes. Pas fou quand même, je vais pas trop l'avancer non plus. Ouais, parce qu'avec 5 d'argent, avec l'Allemagne, quoi faire, quoi. Déjà, avec un d'argent, c'est déjà pas mal du tout, hein. Mon ancienne flotte est occupée à se reconstruire. J'avais des navires à 13% de force. Oh non, ils auraient dû être coulés. Ah, et ils ont failli, hein, ça c'est clair. Mais pourquoi je regarde là, moi? Tiens, Kajuna, c'est pas une bonne idée, mais bon. Je suis occupé aussi à récupérer mes troupes qui sont aux États-Unis. Tiens, tu me demandes quoi, là? 984 d'argent contre faculté de recherche atomique, 500... Tu me donnes du... Franchement, non, je vais refuser parce que tu me donnes la blinde de pétrole et franchement, le pétrole, garde-le pour toi. Hein. T'en auras clairement besoin. De qui? L'Allemand. L'Allemand sans pétrole, excuse-moi, mais c'est un peu... Tant que c'est moi qui dirige ça. Oh putain, je peux continuer. Par contre, moi, va falloir que je commence à moderniser parce que là, je commence vraiment à être obsolète. Sans blague. Attends, non, mais j'ai encore de l'infanterie 18. Pourtant, c'est en auto. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas? C'est quoi ça? Ah, c'est des milices. Des milices, les infanteries 18. Et les Alpines. Ah ouais, je me disais. Oh, je vais bientôt avoir assez de convois, je crois. Je pense. Bien. Bientôt, bientôt. J'ai quand même 900 convois qui vont jusqu'à New York. Hein. Enfin non, 900 convois qui vont de New York jusque chez moi pour ramener les ressources. C'est ça que je devrais dire plutôt. Bon, n'empêche, moi j'ai bientôt fini certaines infrastructures. Ah moi les infrastructures, ça commence à devenir bon hein, au Japon. Parce que je suis occupé à moderniser les infrastructures japonaises même, tu vois, pour pouvoir produire mes usines plus vite. C'est assez pratique. Et je pense que t'as aussi un bonus au niveau de du ravitaillement quand t'as des bonnes infrastructures. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que la putain d'infrastructure, plus vite les ressources circulent. Ouais, ça je sais pas, hein, mais peut-être bien, ouais. Bah bon, de toute façon, niveau ressources dans l'archipel même, j'ai pas grand chose. Hein, donc, Bon, le 14 août là. Ah bon, on y est. Ah. Alors, ils sont arrivés ou pas? Oui, ils sont arrivés, vite. Allez, 10 contre 7. On repart. Et bientôt plus d'Espagnols, allez. Putain, mais trop t'as reçu quelque chose, de se déplacer à pied depuis l'autre côté du pays, quoi, n'importe quoi. Normalement, t'as reçu quelque chose, anglais. Non, j'ai rien reçu. Non, je trouvais un truc, apparemment, mais... T'étais aveugle, non? Je sais pas, j'ai l'annulation qui est désactivée, la réponse automatique aux accords. Attends, t'as dû peut-être refuser un truc comme ça, t'as beaucoup de trucs, ça se trouve, je sais pas. Un cas des blocking technologie, je crois, non? Ah, nous avons refusé l'accord diplomatique proposé par la main. Ah merde, bah réessaye. Ah, bah t'es très marrant, maintenant faut que j'attends, hein, t'es très marrant. Alors, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. En tout cas, les États-Unis c'est un peu le bordel, je vais essayer de régler ce problème-là. Première fois que j'ai autant de conflits. Donc, au revoir à toutes, à tous, et à plus pour d'autres vidéos. À plus.